Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Imitsu Sentai Black Eyes. Minasan konnichiwa, perfetigium des. À ses débuts, Zen Pictures s'était rapidement fait une spécialité des histoires en deux parties, et à partir de 2006, la majorité de leur production était constituée de diptyques. Le format diptyque avait l'avantage, de par sa longueur, de permettre des histoires plus élaborées et de mieux développer les personnages. Cependant, après Justice Win Neo, dont les deux volets parurent en décembre 2011 et janvier 2012 respectivement, Zen Pictures abandonna ce format pour ne plus se consacrer qu'à des histoires en une seule partie. Même si récemment on a eu droit à deux exceptions avec un nouveau volet de Justice Win et de Triple Lancer. Mais c'était un peu un cas particulier puisque dans les deux cas Zen Pictures voulait sortir le produit à la fois sous leur label et en format diptyque, mais aussi sous forme de film unique d'environ 1h30, débarrassé des scènes de torture, publié par un autre label du même producteur, consacré aux films et séries du Yatsurugiverse, c'est-à-dire leur univers de super-héros locaux, qui est un peu l'équivalent japonais du Marvel Cinematic Universe. Néanmoins, à l'exception de ces deux cas particuliers, le format diptyque était définitivement mort et enterré chez Zen Pictures à partir de janvier 2012. Définitivement... pas tout à fait. Car en juillet et août de la même année, Zen Pictures allait sortir une nouvelle histoire en deux parties, mais dans un format un petit peu différent des précédents, puisque si les deux films se suivaient, ils n'avaient pas le même titre et appartenaient même à deux genres différents. Nous avons déjà vu la première partie avec White Judge, voyons à présent la deuxième et dernière partie, Black Eyes. Ikuzo ! Le film s'ouvre sur le seul membre de Judge encore en activité, Haruna alias Suzaku, aux prises avec un truand qui a fait une razzia dans la garde-robe du Joker et qui est escorté par Flat revenu à la vie sous la forme d'un zombie. Ah non, pardon, excusez-moi, j'avais oublié que c'était son état normal, ça. Flat en effet survécu à leur précédente rencontre, la fléchette de Suzaku s'étant plantée dans son étui à cartes. Et apparemment, il a été entre-temps à la même école de cabotinage que le Gugus du précédent film. Flat désire évidemment venger la mort de ses camarades, et il va donc affronter Haruna dans un impitoyable face-à-face. C'est l'intention qui compte. Désolé, je voulais vous acheter, mais je suis très mauvaise sur les cibles mouvantes. Eh oh, je suis à ta gauche, ou... Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Eh ben, je commence à comprendre pourquoi t'es aussi nul sur les cibles mouvantes. Cette nouvelle ennemie nommée Scylla mord Haruna pour boire son sang, lui causant une crise de stock shot du film précédent, pour lui laver ensuite le cerveau avec le nouvel homo qui lave encore plus blanc. Nous faisons ensuite connaissance avec un membre de Black Eyes, Black Dragon, en train d'affronter un monstre de la semaine qu'elle semble battre facilement, mais... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ah bah j'ai bien fait de pas le faire avec Flat, ce gag-là, ça aurait été redondant. Elle est heureusement sauvée par son équipière Black Griffon, qui n'est autre que notre vieille connaissance Miyuki. Pourquoi tu te frappes? Pourquoi tu te frappes? Pourquoi tu te frappes? Ah mais c'est un troll Miyuki, en fait. C'est exactement ce que je voulais faire. Il tente de faire à Miyuki le coup du « je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort », mais celle-ci, alertée par Dragon, évite son attaque, mais il parvient cependant à l'aveugler. Attendez, vous êtes trompé là, dans les chevaliers du Zodiac, c'est le dragon qui perd la vue tous les 10 épisodes, pas le griffon. Eh ben, un troll, troll et demi. Et vous pensez que Dragon viendrait lui prêter main forte? Mais non! Pas avant qu'elle ait commencé à retrouver la vue, sinon c'est pas marrant! Elles arrivent quand même à vaincre leur adversaire en unissant leurs forces, et s'en vont sans se rendre compte qu'elles ont été espionnées par Scylla, accompagnée d'Haruna qui se fait désormais appeler Rosa, et qui a mis son cosplay de chevalier du Zodiac. C'est ensuite au tour de Miyuki d'avoir une crise de stock shot, avant de se rappeler comment, peu après avoir quitté Judge, elle avait été contactée par l'armée qui lui avait appris qu'une extraterrestre nommée Scylla ambitionnait de conquérir la Terre, mais que son existence était gardée top secrète par le gouvernement afin d'éviter la panique. Connaissant ses précédents états de service, l'armée avait demandé à Miyuki de rejoindre une équipe exclusivement féminine baptisée Black Eyes. Pourquoi? On est dans un film Zen Pictures, vous vous attendiez à quoi? Ah oui, logique. Évidemment, Miyuki avait pistonné sa copine Haruna, mais déjà à l'époque, cette dernière était introuvable.
Retour au présent où Dragon et Griffon font connaissance avec la nouvelle recrue de Black Eyes, Ryo, qui ressemble étrangement à Shilling du précédent volet. Ce qui est doublement normal, puisque non seulement c'est la même actrice, mais c'est également sa petite sœur qui a été séparée d'elle très jeune quand leurs parents ont divorcé. Ok, ça me va. Mais à peine le temps de faire la présentation que l'alarme sonne et qu'elles doivent déjà partir en mission, Ryo revêtant donc son uniforme de Black Pegasus. Bah dites donc, Dragon, Pégase, plus le costume de Rosa... Je suis sûr que c'est pas fait exprès, mais c'est fou le nombre d'éléments qui me font penser au Chevalier du Zodiac dans ce film. Coucou, c'est moi. Haruna-san. Ciao, c'était moi. Matte. Pendant que ses deux camarades affrontent les monstres de la semaine, Miyuki part à la poursuite de son ami et change de costume entre-temps. Bon, contrairement au même truc qu'on avait vu dans Leona Neon Genesis, c'est un peu plus cohérent ici puisqu'on peut comprendre qu'elle ait eu envie de reprendre sa tenue civile pour être plus facilement reconnue par Haruna. Mais ça sert pas à grand-chose puisque visiblement Haruna ne se souvient pas d'elle et comme elle a soif, elle en profite pour boire un coup. Surprise, motherfucker. Bah oui, boire un coup... Je maintiens que tes réactions sont toujours excessives. Ah bravo, alors non seulement elle est en cosplay de Chevalier du Zodiac, mais en plus elle utilise la même attaque qu'Aphrodite des poissons. Originality zero. Miyuki comprend qu'il se trappe et tente de se transformer. Et apparemment, la transformation est aussi douloureuse qu'à l'époque où l'actrice faisait partie de Blaze Man. Mais pas de bol, profitant que la transformation dure une heure, Sila l'interrompt en lui lançant une étoile de mer qui siphonne son énergie, et Miyuki se retrouve bloqué dans une version fanservice de son costume, avant d'être capturé et ligoté avec des roses géantes. Dites-le avec des fleurs, qui disait. Pendant ce temps, à Veracruz... Dragon et Pegasus arrivent à localiser leur copine en servant du 7ème sens ou un Deus Ex Machina du genre, et Dragon par la délivre... Ok, c'est l'intention qui compte. Bon, elle arrive quand même à la délivrer en utilisant une technique qui avait déjà fait ses preuves dans le volet précédent, celle du hors-champ. Mais pour que ce soit pas trop répétitif non plus, au lieu d'éteindre la lumière, cette fois, elle éblouit ses adversaires. Dragon se met ensuite à réciter son CV en voix off. Avant d'avoir une crise de flashback... Ce qui laisse le temps à Rosa et Sila de les retrouver, et pendant que Rosa étrangle Miyuki, ce qui serait tout de même plus crédible s'il n'y avait pas 10 cm entre la corde et le cou, mais enfin bon, je dis ça et je dis rien, hein, vous faites comme vous voulez. Dragon affronte Sila et... Miyuki-san ! Aïe, étourderie fatale. Après avoir chaoté Dragon, Sila part rejoindre Rosa et l'aider à tabasser Miyuki. Merci, mais je pense qu'elle se débrouille déjà très bien toute seule. Heureusement, Dragon finit par reprendre connaissance et part au secours de Miyuki. Elle met 5 minutes à la rejoindre, mais arrive juste à temps pour intercepter la fatalité qui lui était destinée. Et comme elles sont polies, au lieu de repartir directement à l'attaque, les méchantes attendent qu'elle ait fini son discours d'adieu, discours qui permet à Haruna de reprendre ses esprits, obligeant Sila à la rebooter. Ah bah tout de même, j'avais fini par oublier qu'elle était dans le film, celle-là. Elle s'est perdue en chemin ou quoi ? Bref, alors que Sila et Pégase se chaotent mutuellement, Miyuki parvient à rendre ses esprits à Haruna grâce à sa technique secrète du Free Hug. Malheureusement, Sila a repris ses esprits et tente de one-shotter Haruna, mais Miyuki intercepte l'attaque, et avant de succomber, zigouille Sila. Malheureusement, si Haruna a repris ses esprits, elle ne reprend pas sa forme humaine et reste une vampire, ce qui fait que quand Pégase reprend à son tour ses esprits et croit que c'est elle qui a tué Miyuki, elle ne fait rien pour la détromper, en rajoutant même une couche pour l'obliger à la tuer, Pégase ne réalisant son erreur que trop tard. Korede Owarida. Comme je l'ai dit en introduction, on a un changement de ton entre les deux volets du diptyque, puisqu'on est passé d'un policier d'action relativement réaliste avec des ennemis terre-à-terre, à un Sentai avec armure, super-pouvoir, monstre de la semaine et menace extraterrestre. Le spécialiste du genre remarque d'ailleurs deux très légères influences derrière Black Eyes. Déjà, le tout premier Sentai du genre Go Ranger, dont ils ont repris l'intitulé Imitsu Sentai, Escadron Secret, et Changeman pour les noms de code basés sur des créatures mythologiques.
Les costumes sont cependant des créations originales et sont assez réussis. J'aime bien leur aspect noir uni avec quelques bandes colorées différemment selon les membres. On regrettera cependant que les costumes des trois membres ne se distinguent que par leur couleur, alors qu'on aurait pu leur donner de la personnalité en incorporant à chacun une version stylisée de l'animal mythologique sur lequel ils sont basés. Ce que Zen Pictures fera d'ailleurs quelques années plus tard avec un de leurs Sentai récurrents, les Earth Fighters, eux aussi basés sur des créatures mythologiques, et pour lesquelles l'influence vestimentaire de Liveman est flagrante. C'est d'ailleurs un défaut récurrent avec les Sentai de Zen Pictures, puisque les membres qui les composent ne se différencient que par les couleurs de leurs uniformes, alors que dans les Sentai officiels, ils ont tous un casque personnalisé, et utilisent même pour certains d'entre eux des emblèmes différents. Leurs armes ont des designs simples mais assez réussis, et j'apprécie le fait que celles d'Haruna et Miyuki soient des variations de celles qu'elles utilisaient déjà dans le précédent film. En plus, leurs tenues reprennent les couleurs de celles qu'elles portaient dans le film précédent. Un autre reproche que je ferai à Black Eyes, c'est que pour un film inspiré des Sentai, on ne voit jamais les trois membres combattre ensemble. Il n'y a qu'un seul moment où on les voit toutes les trois ensemble et en uniforme, et ça dure même pas une minute. On appréciera cependant que le scénario prenne la peine de développer un peu les personnages, leurs relations et leur passé, même si, faute de budget pour tourner les scènes correspondantes, ça se fait surtout à travers les dialogues et les monologues intérieurs. Zen Pictures fait preuve d'audace en terminant le film par une conclusion en demi-teinte, où même si elles ont réussi à vaincre la menace de Scylla, les deux héroïnes du précédent film y ont laissé la vie. D'ailleurs, en plus de les avoir ramenées dans ce film, Zen Pictures a également fait revenir les interprètes de deux de leurs adversaires, celui de Flat qui reprend son rôle, mais qui ne sert pas à grand-chose puisqu'il se fait réoxyre aussitôt après son retour, et celle de Shilling en utilisant l'astuce du « je suis sa sœur donc c'est normal que je lui ressemble ». Et on appréciera le fait qu'ils en aient fait une gentille au lieu d'opter pour la solution de facilité, avec un twist en mousse comme quoi c'était un agent double qui avait infiltré l'organisation pour venger sa sœur. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la pouce vériser et d'éventuellement soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous invite à suivre mes critiques écrites sur Tokuona pour les séries et sur Casse Critique pour les bandes dessinées, comme Scène de la vie de banlieue, dans laquelle le dessinateur Kaza raconte son quotidien qui bascule régulièrement dans le fantastique et l'absurde. Djane! Et oui, voilà ce qui arrive quand on se rend compte après avoir lancé l'enregistrement que le fauteuil n'était pas centré.